Et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Devant le Match. Vous êtes sur RIG 90.7 à Bordeaux, à Blanquefort plus précisément. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois, comme tous les vendredis soirs, pour une nouvelle émission de DLM On Air. Et ce soir, à DLM, nous avons décidé de faire une journée spéciale, une journée de la femme improvisée, puisque nous allons vous faire une émission particulière, puisqu'on va parler de football féminin. Enfin, on ne l'a jamais fait à Devant le Match, il fallait qu'on le fasse. Et là, ce soir, on est réunis pour parler de football féminin. Et pour ça, comme d'habitude, j'ai mon équipe. Et je vais commencer par toi, Bernice. Salut à toi, capitaine. Salut à toi, bon anniversaire. Merci beaucoup, en retard un peu. Oui. Je lui ai fait un petit cadeau, on aura chacun un petit cadenet en fin d'émission si vous avez été sage. On ira prendre une pause. Non, sauf toi, Geoffrey. Tu n'en as pas besoin. Avec nous, on a également Geoffrey. Salut à toi, Geoffrey. Salut à tous. Content d'être de retour après deux petites semaines d'absence. Voilà. Et je prends juste la petite minute de parole là pour féliciter mon coach Kevin Demarque et son adjoint Guidoun, donc Sylvain Malocena, qui nous organise demain le tournoi des JSA à mon séjour. Donc voilà, félicitations les gars et merci, nous tarde demain. On avait réussi à passer deux semaines sans parler des JSA et ça y est, on est de retour, on y revient dedans. Et c'était les deux plus belles émissions d'ailleurs. Avec nous, on a également Gio. Salut à toi, Gio. Salut Benji, salut tout le monde, ça va? Ça va et toi? Et eh bien le retour moi aussi parce que la semaine dernière j'étais et pas oui, là. C'est vrai effectivement. Mais je vous ai bien suivi sur Twitter et il n'y a pas que moi d'ailleurs. Donc super émission les gars. Et oui. Gros coup de chapeau, super sympa ce Vital. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un maillot à gagner peut-être, Bernie. Je suis sur le coup. Ouais, c'est ça, ouais. sur son profil Facebook, ouais. Et on s'est placé, encore une fois. Sympa en plus ce maillot argenté, ouais, cool, tout hein, ça. Ouais. Collector. Donc je le disais, ce soir on va avoir plein d'invités pour nous parler de football féminin et on commence très fort puisque nous avons des invités déjà en studio. Gio, je te laisse les présenter comme d'habitude. Alors je voudrais remercier monsieur et madame Fort qui nous font la gentillesse d'être venus d'Angoulême, qui sont des personnalités historiques du club de Soyo Football Club, qui est le club historique donc de football féminin en France. Donc ça va être intéressant de savoir comment ils arrivent chaque année à relever le challenge des ogres qu'impose et la cadence des ogres qu'impose l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, Montpellier et bien sûr d'autres. Tout en ayant un classement chaque année assez élevé. On rappelle qu'il y a moins de 15 équipes, je crois, en D1 féminine. Donc, le couperet peut tomber assez rapidement. C'est ça. On l'a vu pour nos Girondines. Pour les Girondines, ouais. Et Gironde Analyse en a parlé. Donc, ça va être très intéressant d'entendre les âmes du club nous révéler leurs petits secrets. Et puis aussi faire un peu leur promotion parce qu'on parle des Girondines dans la région, mais voilà, il faut rappeler que Soyo est là et n'hésitez pas donc à les suivre sur les réseaux sociaux, à vous déplacer et à voir leur joli jeu parce que c'est très technique, mais bon, parfois les effectifs en fin de saison font la différence, je crois. Donc on va simplifier, je vais vous appeler président ou présidente, même si vous êtes présidente, vice-président et président tous les deux. Le micro. On peut aussi tout simplement s'appeler par nos prénoms. Voilà, exactement. Présentez-vous alors, Madame Fort, pour les auditeurs qui nous écoutent. Qui êtes-vous? Donc moi, en fait, je suis Marilyn Fort. J'ai joué au football dans les années 70 à La Rochelle. Et puis, j'ai eu quelques sélections en Ligue du Centre-Ouest, ce qui m'a fait découvrir Soyo. Et Soyo a évolué déjà... faisait des phases finales. Donc du coup, c'est naturellement que je suis venue compléter cette équipe en tant que gardienne de but. Voilà, et je suis arrivée à Soyo dans les années 80. J'ai joué jusqu'en 85 et obligée d'arrêter par une maternité. Voilà. Ça arrive. Une première qui a... Ah, Monsieur Fort, ça arrive. Voilà, qui a arrêté ma carrière en fait sportive. Et donc, tout naturellement, je me suis tournée vers le bénévolat, puisque toute la vie, moi, j'ai été que sportive. Donc, du coup, il y a des gens qui se sont occupés de moi. Donc, j'ai voulu un peu... retourner, donner en retour. Et donc depuis 85, je suis dans le bénévolat jusqu'à ce jour.
Ouais, donc une grosse expérience. Et puis il me semble que vous avez glané aussi un titre de championne de France en 84. Voilà, on a été champion de France tous les deux en 84, oui, voilà. Alors quand vous dites tous les deux, c'est que Monsieur Fort, donc, qui est à ma droite, était peut-être le coach de l'équipe. Voilà, c'est cela. Donc une belle équipe alors, une équipe qui gagne depuis des années. On espère qu'on va, ça va continuer. Donc pour les auditeurs qui nous suivent, donc n'hésitez pas aussi à aller sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, hashtag devant le match. Soyo est le club doyen de D1 féminine. Comment c'était la D1 féminine, allez, on va dire au début des années 90? Oui, bonjour à tous et ravi d'être parmi vous. L'AD1, alors bien sûr, au début, les premiers championnats de France a eu lieu en 1974-75. C'était des groupes régionaux et suivis d'une poule finale. En 1980, il y a eu pour la première fois un championnat sur toute la saison, avec plusieurs poules. Donc là aussi, demi-finale, finale. Et cette année-là, nous avons été en finale. Nous avons perdu contre le Stade de Reims, qui était vraiment le club référent au début des années du football féminin. Et ensuite, donc, dans les années qui ont suivi, nous avons tous les ans participé aux demi-finales. Et en 1984, nous avons été en finale et nous l'avons gagné. C'est suivi toute la décennie 80, ce qui était notre grande décennie, puisque nous avons fait 4 finales que nous avons perdues après. Et dans les années 1991, le championnat de France est devenu une poule unique en France, avec 12 clubs, comme c'est actuellement. C'est là qu'on a commencé à voir les premiers changements. Alors quand on parle de premiers changements, évidemment, on est en plein dedans depuis un ou deux jours, c'est le foot business, c'est le sport business, c'est la venue de l'argent même dans la D1 féminine. Depuis combien de temps vous le voyez réellement avec tout ce que ça englobe? Je parle des sponsors, mais aussi des agents, des contrats, etc. Depuis combien de temps vous avez ces questions au club? Alors, l'argent, il y en a toujours eu un peu sous forme de primes, sauf à Soyo, même dans les années 80. Et puis après, au fur et à mesure de l'évolution, il y en a toujours eu de plus en plus. D'abord les éducateurs, après les primes aux joueurs et tout. Mais là, on constate quand même, depuis 7-8 ans, une accélération énorme, que moi je dis terrible d'ailleurs, qui est due à ce professionnalisme qui a été lancé dans un premier temps par le club de Montpellier avec Louis Nicolin, suivi très vite du président Aulas à Lyon. Et voilà, donc il y a quelques clubs qui ont fait monter les enchères, et ce assez vite. Donc certains ont essayé de suivre. La barre est tellement haute que bien sûr, il est pas question pour les autres clubs de pouvoir s'aligner. Hein. C'est vraiment impossible, puisque aujourd'hui, Lyon et le Paris Saint-Germain sont les deux plus gros budgets en Europe, hein. Pas seulement en France, mais en Europe. D'ailleurs, quand on voit les résultats de la Champions League, ils sont tous les deux en finale cette année. Hein. Donc, l'argent a commencé à venir au début des années 2000, mais ça s'est très accéléré en 2010, quoi. Avec aussi la mise en place de la Coupe d'Europe. Hein. Et par voie de conséquence, est-ce que vous avez vu aussi évoluer, parce qu'il y a aussi des bons côtés au foot business, la qualité technique, la qualité physique du jeu proposé par cette D1 féminine? Est-ce que pour vous, Monsieur Fort, la D1 féminine est une des meilleures en Europe, voire au monde? Alors, moi, je crois, très honnêtement, le championnat de D1... Vous êtes dedans, hein, donc c'est pour vous aussi. Hein. et sûrement, avec le championnat allemand, le meilleur d'Europe. Après, il y a le championnat anglais, mais qui est avec un plus petit nombre d'équipes, quoi. Donc, c'est pas du tout pareil. Je crois qu'il faut... Aujourd'hui, on peut dire qu'en France et Allemagne, c'est les deux plus gros championnats d'Europe et donc du monde. Hein. Il n'y a pas de souci. On va revenir quelques instants sur votre club de Soyo, pardon, parce que je l'ai mal prononcé tout à l'heure. Donc Soyo, qui est une petite ville du côté de Angoulême, il y a aussi un club de rugby, je crois, qui est en Pro D2 maintenant. Ça vient aussi un peu grignoter des parts peut-être sur le sponsoring local aussi et sur les aides, on le dit aussi. Qu'est-ce qui fait la qualité de votre effectif? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est votre réseau depuis tant d'années qui vous amène à détecter des bonnes joueuses dans l'Hexagone, ou les deux? Qu'est-ce qui fait la différence pour vous?
On dit, là, je veux dire une boutade, on dit que les grands clubs ne meurent jamais, mais je crois que finalement, toute cette avance qu'on a prise dans les années, fin des années 70 et 80, est toujours restée. Quoi. Quand on a l'habitude de jouer parmi l'élite, on s'y accroche, et tous les bénévoles du club, l'éducateur, toute cette notoriété qu'on a nous sert à garder, à rester à ce niveau-là, quoi. Donc, je pense que le fait d'être un vieux club, puisqu'on est le club qui a bon, le plus d'années au plus haut niveau, hein, même devant Lyon actuellement, donc fait que bah, tout le monde s'accroche et on a envie que ça continue, quoi. Voilà. Donc, on résiste. Eh bien, résiste, prouve que tu existes. On va reprendre ces paroles de France Gall. Nous avons donc la bonne nouvelle aussi. On va peut-être pouvoir en débattre avec Philippe Doucet, donc le journaliste consultant de Canal+, qui est avec nous, connu notamment pour sa palette et ses statistiques mémorables. Monsieur Doucet, vous êtes avec nous ? Oui, absolument. Bonsoir. Écoutez, j'ai des frissons, bonsoir, d'entendre votre voix au téléphone, parce que c'est Bernie qui, voilà, que vous avez eu au téléphone. Nous, c'est la première fois qu'on se parle. Votre présence tombe bien parce que nous sommes avec donc monsieur et madame Faure, vice-président du club de Soyo de D1 féminine. Ah, donc, oui. Que vous connaissez sûrement. J'ai entendu parler, bien sûr, de ce club qui est toujours un sujet d'étonnement parce que c'est pas évidemment la plus grande ville de... Pour être en première division, c'est tout à fait marquant, effectivement. Alors, nous étions en train de découvrir les secrets de ce club pour se maintenir en D1. Vous, Monsieur Doucet, est-ce que vous suivez cette D1 féminine et ce foot féminin ? Bon, je vais être très honnête, je le suis quand même de relativement loin, mais de plus en plus, je suis comme tout le monde marqué par l'évolution du foot féminin, par les progrès considérables. J'imagine que du côté de Soyo, on se rend compte de l'évolution et de la difficulté de se maintenir au haut niveau doit être de plus en plus dur parce que maintenant il y a Marseille, il y a Montpellier, il y a le PSG, il y a Lyon, ce qui sont des grosses écuries qui ont des budgets importants. Donc l'évolution va avec. Enfin, c'est pas seulement une question de budget, bien sûr, mais le foot féminin a énormément progressé. Ça, c'est indiscutable. Alors, je suis pas encore le championnat de très près, je vais être très honnête. Mais évidemment, à la lumière d'une finale de Coupe de France comme on a eu il n'y a pas longtemps, ou une finale de Ligue des Champions en opposant les deux clubs français, évidemment, je m'y suis intéressé de près à ce moment-là, oui, c'est vrai. On en parlait tout à l'heure, on parlait des deux ogres que représentent l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, qui sont les deux plus gros budgets européens même, et qui sont voilà, un formidable réservoir aussi pour l'équipe de France et d'autres équipes nationales. Est-ce que vous, Monsieur Doucet, qui avez quand même l'expérience de suivre les grosses équipes, et donc depuis peu, si j'ai bien compris, le foot féminin, est-ce que vous avez un pronostic pour voir l'équipe de France féminine gagner un trophée majeur ? Bon, je pense que naturellement, ça devrait venir. L'équipe de France jusqu'alors a toujours échoué, mais de manière honorable. Alors c'était en demi-finale, c'était en quart de finale. Elle n'a pas encore passé tout à fait le cap jusqu'alors dans les grandes épreuves. Alors évidemment, tout le monde attend 2019 puisque la Coupe du Monde aura lieu en France. Mais bon, ce serait pas idiot non plus de gagner l'Euro cet été. Pourquoi pas, hein. On n'est pas obligé d'attendre. C'est une bonne idée. On n'est pas obligé d'attendre. Je pense que l'équipe de France est probablement mûre pour maintenant pour passer une étape supérieure. Il y a pas mal de joueuses quand même qui alignent des finales de Ligue des Champions et autres, ce qui quand même est une préparation évidemment idéale pour le très haut niveau. On voit la difficulté qu'ont les managers français à s'exporter à l'étranger. On a Puel, donc qui est Monsieur Puel, qui est à Southampton, mais chez les féminines, et pour en revenir à ce sujet-là, on a Monsieur Bini qui est parti donc en Chine et qui est en train de structurer toute une formation. Nous en Gironde, on connaît bien le sujet puisqu'on a des coachs chinois qui viennent se former donc à l'université Staps de Bordeaux. Est-ce que ça vous étonne cette différence de notoriété entre les coachs féminins et les coachs masculins dans le football ? Bah déjà, il y a beaucoup de coachs. Si vous voulez faire allusion au sexe des coachs. Le foot féminin et le foot masculin, pardon, je me suis mal exprimé. Oui, parce que il y a beaucoup de coachs masculins en fait dans le football féminin. Oui. C'est peut-être dommage d'ailleurs. Peut-être qu'à terme,
également qu'il y ait des coachs féminines. Il y en a bien sûr, mais il y en a pas en tout cas dans les plus hauts niveaux. En tout cas, sur l'exportation des entraîneurs français, on reste quand même à s'exporter pas mal, justement dans ces domaines-là, c'est-à-dire les domaines de formation, les domaines de DTN, les domaines, voilà. Après, là où on a peut-être un petit peu de mal, c'est vrai, on a toujours eu du mal, d'ailleurs, je pense, c'est à exporter des entraîneurs pour s'occuper des plus gros postes, c'est-à-dire des plus grosses sélections ou des plus gros clubs. Ça, on a, bon, à part Arsène Wenger ou un Gérard Houllier, on n'en a jamais eu tant que ça. Et par contre, sur tout ce qui est formation et DTN et autres, là, on est connu pour et respecté pour avoir des coachs qui sont très bien formés, qui ont un niveau étal, c'est-à-dire qu'on peut en former beaucoup de très bons niveaux. Après, il nous manque peut-être les top managers qui dirigent le football mondial. Vous êtes donc un journaliste de renom et on vous remercie encore d'être avec nous ce soir. Allez, je me tends vers une petite question. Le mercato a ouvert il y a 2 jours. Est-ce que déjà vous avez entendu vent de quelques rumeurs sur cette période bien particulière? Alors je vais peut-être vous surprendre un petit peu parce que c'est vrai que les journalistes en général aiment bien cette période. Moi, je déteste cette période. C'est une période qui ne m'intéresse pas du tout. les fantasmes des supporters sur tel joueur qui va faire ceci, qui va faire cela. Moi, je préfère. Moi, ma période préférée, je vais vous dire, c'est les premiers matchs. C'est les premiers matchs de la saison quand tout d'un coup, effectivement, il y a eu ces recrues. Bien sûr, je dis pas que ça m'intéresse pas. Qu'il y ait des nouveaux joueurs à droite, à gauche et qu'on voit des nouvelles équipes avec des nouveaux entraîneurs et des nouveautés, bien sûr que c'est intéressant. Et là, quand tout d'un coup ça démarre et qu'on voit les équipes se constituer, quand on voit les coachs faire leur choix, quand on voit les joueurs s'associer, les nouveaux joueurs s'associer aux anciens, etc., là ça me passionne. Autant cette période du mercato où on fantasme sur tel transfert, tel autre, qui se fait pas. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas le truc que je préfère. Mais bon, évidemment, c'est une période qui n'est pas à négliger, parce que évidemment, ça fait rêver. Et journalistiquement, évidemment, ça intéresse beaucoup, beaucoup de mes confrères. C'est pas une période où vous êtes en vacances, en fait, monsieur Doucet? Il y a un peu de ça aussi. J'ai toujours un peu de. Je suis un peu comme les joueurs, j'ai toujours un peu de mal à finir les saisons. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mars, c'est un peu plus dur. Alors, c'est pas les jambes qui fatiguent, c'est plutôt le cerveau. Et je dois dire que quand j'arrive en mai, en général, je suis un peu usé mentalement, si vous voulez, comme les joueurs. Et donc finalement, effectivement, vous avez raison, je décroche un petit peu parfois, je suis un peu moins attentif, je peux décrocher un petit peu du marché des transferts, tout ça, j'ai un petit peu de mal à me passionner là-dedans. Et puis je retrouve la foi bien vite, vous inquiétez pas, évidemment. Bernie, je crois que ouais. Tu avais plein de questions pour Monsieur Doucet. Eh ben oui, donc bonsoir Monsieur Doucet. Bonsoir. Avec... Donc déjà tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir été aussi réactif. C'est un plaisir. Ben déjà d'avoir été aussi réactif et d'avoir dit oui de suite. Donc il faut le préciser. D'autant que le hasard fait que je suis à Bordeaux en plus. Ah, mais j'allais y venir, j'allais vous le dire. Donc du coup, vous êtes à Bordeaux pour la Danone Nation Cup. Absolument. Ouais. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi, je connais puisque je l'ai faite et d'ailleurs, je vous avais croisé. Donc c'était au Rayon. Bon, j'avais essayé d'aller vous parler, mais vous étiez tout le temps pris. Donc, puis après, j'avais des matchs à aller jouer, donc c'était compliqué. Donc vous pouvez un petit peu nous expliquer pour ceux qui ne connaissent tout simplement pas. Oh, ben, la Danone Nations Cup, en fait, c'est tout simplement dans cette catégorie le plus grand tournoi du monde. On estime, alors c'est pas facile parce que selon les pays, les modèles de qualification ne sont pas les mêmes, mais on estime qu'en gros, il y a quasiment à peu près 1 million de joueurs qui la jouent chaque année. Ça paraît fou, mais ça se joue dans 32 pays et il y a des pays où ils jouent cette qualification avec tellement de joueurs que ça représente des chiffres aussi vertigineux. Alors en France, plus précisément, on est un peu plus modeste, c'est-à-dire qu'on fait 5 étapes qualificatives. Je pense celle du Hayan, j'ai pas encore regardé exactement, mais on va être autour de 60 équipes hommes et une dizaine d'équipes filles. Donc, comme c'est du foot à 8, donc ça va représenter, ça va représenter 700, 600, 700 joueurs et joueuses à peu près, environ.
Ça va être une belle, très très belle journée demain au Hayan. En ce qui concerne l'étape qualificative, ce sont les clubs de la région et il y a aussi bien des clubs pro. Enfin, évidemment, ils sont pas pro à 12 ans. Hein, on parle de U12. Donc ils sont pas pros, mais évidemment si l'équipe de Toulouse est là, par exemple, bon bah évidemment ça a un attrait particulier. Et il y a aussi bien des clubs amateurs. Je sais pas si Soyot il sera là, mais en tout cas c'est tout à fait possible. Et on va regarder avec attention cette journée de qualification. Et puis surtout Bordeaux a l'honneur d'enchaîner puisque le lendemain c'est la finale. C'est la finale France. Avec une particularité, là ce sont les 12 meilleures équipes, celles qui se sont qualifiées, dont les Girondins de Bordeaux qui sont qualifiés d'office parce qu'ils sont puissance invitante. Là ce sont les 12 équipes qui vont se disputer ce tournoi et la grande particularité c'est que quand on gagne la Danone Nations Cup France, eh bien, on est qualifié pour la Danone Nations Cup Monde. Et l'équipe qui gagne, c'est arrivé à Bordeaux d'ailleurs il y a peu de temps, je ne sais plus quelle année ils ont gagné, mais ils ont dû gagner en 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. Eh bien, on n'est plus les Girondins de Bordeaux, on est l'équipe de France. La France, ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, on distribue des maillots de l'équipe de France et les joueurs qui d'habitude représentent les Girondins, eh bien, sont appelés à représenter la France dans une véritable Coupe du Monde avec 32 pays. Et vraiment, c'est une épreuve assez passionnante parce que il y aura peut-être entre 2 et 3 000 personnes qui vont venir au Hayan demain. C'est très convivial, c'est très sympa. Il y a beaucoup de joueurs, mais il y a aussi beaucoup de parents, il y a beaucoup d'encadreurs, il y a beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de recruteurs qui viennent voir ça. Et moi j'adore. C'est un vrai plaisir de suivre cette compétition tous les ans. Et du coup, quel est votre rôle exactement ? Bon, je fais de l'animation tout simplement. Comme bien souvent, il y a un micro qui traîne et je m'en sers pour animer, pour parler un peu de ce qui se passe, pour raconter un peu comment se déroule le tournoi, parce que ça se déroule quand même sur 6-7 terrains à la fois, donc il faut un peu savoir ce qui se passe un peu partout. Alors de temps en temps, j'ai aussi mon petit rôle de père fouettard quand je vois des équipes qui jettent des bouteilles qui laissent des bouteilles sur le terrain ou qui se comportent mal, etc. Bon, ça m'arrive de passer un petit coup de gueule parce que le comportement est important dans cette compétition. Ça fait partie aussi des ingrédients. Et puis, surtout, on parle de foot, on encourage évidemment les diverses équipes. Et puis, je suis accompagné de Christian Damiano, qui est l'adjoint, qui a été longtemps l'adjoint de Ranieri. Enfin, il était aussi à Cafontaine, formateur, etc. Mais il a été longtemps l'adjoint de Ranieri. Et lui, il a un rôle davantage technique, donc lui parle foot. Et puis, il sélectionne aussi les meilleurs joueurs de l'épreuve, etc. Donc, tout ça fait une animation un peu globale du tournoi. C'est mon petit plaisir. Quand on aime le foot, franchement, on passe une très bonne journée. Ceux qui veulent aller au Hayan demain ne seront pas déçus. Ça commence à 8h30 et on ne débande pas jusqu'à 18h. Vous faites votre petite palette à doudous avec Monsieur Damiano, alors ? Voilà, exactement. Bon, je sors pas la palette parce que c'est une technologie qui nécessite un peu de préparation et un peu d'image, etc. Donc on n'ira pas jusque là, mais virtuellement, oui, virtuellement, on fait des palettes, voilà. Mais du coup, en parlant de palettes à doudous, du coup, moi, vous avez bercé totalement mon enfance à Canal+. Et du coup, je m'étonne de ne pas vous voir dans les émissions style Canal Football Club ou les spécialistes, parce que mine de rien, les spécialistes, ils ne sont plus, mais J+1, où c'est des émissions qui pourraient totalement vous coller. Vous êtes surtout avec Pascal Pro aussi au 20h Foot. Oui, je fais aussi Info Sport, je fais encore quelques petites choses, mais c'est vrai que je suis plus autant vu qu'avant, oui, je le reconnais. Écoutez, c'est pas mon choix, hein, je vous le dis tout de suite, c'est la direction de Canal. C'était ma prochaine question. Est-ce que c'est un choix ou... qui fait ses choix, qui préfère sans, je sais pas d'ailleurs, à vrai dire, parce qu'ils m'ont pas expliqué le pourquoi du comment, mais en tout cas, effectivement, je suis un peu moins en vue, mais vous savez, j'ai toujours su que, et je le disais d'ailleurs à Cyril Linette, qui dirigeait le service des sports à l'époque de Canal, je disais, tu sais, je travaille pour les autres. Alors, il me disait, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça alors que tu fais la Ligue des Champions, tu fais le match de Ligue 1, etc. Je dis, oui, non, moi je ne me plains de rien, mais je dis, je travaille pour les autres parce que, tu vois, quand par exemple, je développe la palette et je sors d'un
d'un outil qui était un petit peu vieillot et je passe à un outil beaucoup plus sophistiqué, ben, évidemment, maintenant, on est obligé de passer par des techniciens, des opérateurs qui travaillent avec nous parce que la technologie est plus complexe, etc. Et de ce fait, ben, la palette devient accessible à plein de gens. Et du coup, tu vas voir que plein de gens vont vouloir faire des palettes. Et ouais, que petit à petit, je vais être dépossédé de mon outil que j'aurais développé à votre usage. Et puis, bah, c'est la loi du jeu, c'est comme ça. Et maintenant, il y en a dans tous les sports. Il y a plein de gens qui en font. Alors, plus ou moins bien sûr. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est comme ça. C'est l'évolution, c'est la vie. Du coup, on vous verra plus dans une émission de Canal ou... Non, bah, c'est pas sûr. Hein. D'abord, moi, je suis indépendant, donc j'ai pas encore été renouvelé, donc je sais même pas si j'y serai encore l'année prochaine. Il y a un suspense permanent tous les ans. Bah, j'ai beau être à Canal depuis 27 ou 28 ans, quelque chose comme ça, peut-être même plus. Faudrait que je calcule. Oui, ça doit faire 28 ans. Après tout, ça peut s'arrêter un jour, hein, bien évidemment, et peut-être me proposeront-ils rien cette année. Enfin, on verra. Je ne vais pas préjuger là-dessus. Et puis à l'inverse, ça peut être aussi l'inverse. Hein. On n'est pas à l'abri qu'à l'inverse, ils estiment que bah, ce serait peut-être bien de remettre à l'antenne un vieux serviteur qui a bercé les soirées de foot d'un certain nombre de gens et qui s'en souviennent gentiment comme vous et qui et ah, qui oui. attendent peut-être que je revienne. Donc ah, peut-être voilà. que voilà. Quand voilà. j'ai eu une réponse à mon mail, j'étais tout fou, j'en ai parlé à ma femme, à mon fils, bon, qui a un an et demi, mais qui comprend pas, et j'ai dit, sans déconner, il y a Doudouce qui m'a écrit, quoi. Bon, elle a pas compris, parce qu'elle aime pas le foot, mais j'étais heureux de lui en avoir parlé. Mais du coup, il y aurait peut-être un concept avec le foot féminin, de faire des palettes à Doudouce, ouais, mais ouais. Sur des matchs de foot féminin, puisque le foot féminin grandit. Vous, c'est quand bien même, sûr. Pour moi, c'est votre palette, donc qui a été reprise plus ou moins bien. C'est vrai. Mais on pourrait faire les palettes à Doudouce, à Soyo contre Lyon ou contre Paris. Et après, vous déplacer de stade en stade et pour aider justement le foot féminin à grandir. Ah ben de toute façon, l'outil, il est utilisable pour... non seulement il est opérationnel pour les pros, mais il serait même utilisable pour le foot amateur à condition d'avoir une image de qualité. Hein. Et on le voit bien, il est utilisable dans n'importe quel sport, c'est une technologie, c'est bon, ce que je dis toujours, c'est la technologie, c'est une chose, après c'est la bonne utilisation. La seule chose que je regrette un petit peu, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la Danone Nations Cup, c'est que je tenais à toujours garder un côté éducatif dans les palettes. Je me rappelle qu'avec Michel Platini, quand on faisait la Ligue des Champions, très souvent... Bon, plus que d'insister sur le fait que la Roma avait marqué le but comme ça contre Fenerbahçe ou je ne sais quoi, c'était plus essayer de montrer comment il fallait défendre sur ces types d'actions, comment il fallait attaquer, comment faire un 3 contre 2, comment jouer tel type d'action, comment telle combinaison, etc., etc. Et ce côté éducatif, c'est peut-être un petit peu perdu et... Bon, il peut se faire avec n'importe quoi, il peut se faire évidemment avec du tennis, n'importe quel autre sport, mais aussi en ce qui concerne le foot, ça peut être du foot féminin ou n'importe quel foot peut servir ce côté éducatif que je retrouve plus trop à la télé. Je regrette un peu parce qu'après tout, c'est pas parce que Mbappé a mis un but, certes une action individuelle de grande qualité évidemment parce qu'il a beaucoup de talent, mais peut-être que le but finalement anonyme qu'a marqué Nancy est plus intéressant en termes de palette parce qu'il peut être plus éducatif pour un coach et autres. Et parfois, on fait peut-être pas toujours les bons choix sur le plan éditorial, même dans des grandes chaînes comme Canal. Bah, du coup, on va tous céder. Hein. On n'a qu'à se faire une palette à Doudouce devant le match sur un match de Soyo, tous ensemble. Et on fait éducation pour l'école de foot. Exactement, pour les éducateurs, bien sûr, ce sont des outils qui sont, d'ailleurs aujourd'hui, ne vous y trompez pas, si vous allez au Hayan, dans les bureaux, vous verrez les préparateurs vidéo des Girondins travailler exactement, de manière un petit peu différente parce que c'est pas pour les médias, c'est évidemment pour préparer l'équipe, mais ils vont faire ce travail-là et évidemment ils seront...
ils feront des palettes en quelque sorte pour à l'usage des joueurs pour bien leur montrer comment jouent leurs opposants, etc., etc. Bien sûr, ce sont des outils aujourd'hui extrêmement utiles dans le football. Bonsoir Monsieur Doucet, c'est Geoffrey. J'ai une question pour vous. Voilà, là vous parliez tout à l'heure, là vous avez 28 ans de maison chez Canal+, plus une expérience sûrement avant, et j'en doute pas une seule seconde. Est-ce que vous avez vu, enfin ça j'en suis sûr que vous l'avez vu, est-ce que vous avez senti, la différence, enfin comment on dit, la façon dont les joueurs se comportent ou agissent avec les médias maintenant? Est-ce que voilà, il y a 25 ans, vous deviez être peut-être plus proche des joueurs. Est-ce que vous avez vraiment senti une différence là-dedans ou pas, vous, de votre poste? Oui, non, bien sûr, ça a beaucoup changé. Ça a énormément changé. Mais je peux vous décrire, évidemment, ce que j'ai vécu, moi, qui était déjà assez sympa. Moi, je me rappelle très bien, si on prend le Haillan, par exemple, parce que je faisais, dans mes premières années de Canal, je faisais pas mal Bordeaux. Je me rappelle très très bien des années Coupe d'Europe où on discutait à l'entraînement, on pouvait passer son temps à discuter avec Dugarry, avec Lizarazu ou avec Zidane sans aucune difficulté. Après l'entraînement, il n'y avait pas de huis clos, il n'y avait pas de choses comme ça. Moi, je me rappelle même, enfin, c'était pas le cas à Bordeaux, mais je me rappelle qu'avec Charles Bietri, très souvent, on s'entraînait avec les équipes la veille du match. Ah oui. On allait à Nantes ou à Sochaux, où Charles était assez proche des entraîneurs, et il nous faisait intégrer soit l'entraînement de l'équipe première, si c'est arrivé, soit on s'entraînait avec les jeunes, ou avec la réserve, ou voilà, parce que Charles aimait beaucoup jouer. Bon, voilà, c'était de ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. Évidemment, tout ça, c'est beaucoup professionnalisé. Et avec la professionnalisation, bah, y a plus de distance avec les médias, bien évidemment. C'est tout à fait normal. Mais déjà, par rapport à ce que je vous raconte là, je peux vous raconter ce que me racontent les anciens. Un Dominique Grimaud, par exemple, me raconte quand même qu'à l'époque des Verts de 77, de 76, à l'époque, les journalistes descendaient 5 minutes avant la fin du match, s'installaient dans le vestiaire, à la place des joueurs, et attendaient les joueurs pour avoir faire les interviews tout de suite. Quoi. C'est-à-dire, le joueur sortait du terrain, il était tout de suite interviewé dans le vestiaire. Et comme ça, les journalistes remontaient et puis envoyaient leurs papiers parce qu'il fallait les envoyer très tôt, etc. Donc on est, vous voyez, bon, par rapport à tout ça, aujourd'hui, évidemment, on est beaucoup plus lointain. On s'est éloigné, évidemment, quand vous voyez, évidemment, la Ligue 1, mais même une Coupe du Monde ou des choses comme ça, on s'est éloigné considérablement du terrain, des joueurs. Mais en même temps, bon, bah, c'est normal aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de médias présents, il y a beaucoup plus de journalistes, beaucoup plus de sites internet, etc. Et tout le monde ne peut pas avoir l'accès qu'on a pu connaître ces années-là, bien sûr. D'accord. Bonsoir Philippe. J'avais une question également pour vous. Je suis un de la génération Canal+, comme beaucoup autour de la table, je pense. Et je vous ai beaucoup suivi sur vos émissions. Et finalement, on vous connaît très peu. On connaît très peu votre parcours. Vous êtes ni un ancien joueur, il me semble, ni un ancien entraîneur. Et pourtant, vous parlez de foot et de tactique et de construction des actions, etc. Beaucoup mieux que certains anciens joueurs ou anciens entraîneurs. Comment vous expliquez finalement que cette passion que vous avez pour le jeu qui nous passionne tous finalement? Oui, bah c'est gentil déjà de me présenter comme ça, c'est flatteur. Je pense que je suis venu à ce métier un peu différemment d'autres journalistes qui sont, peut-être, je peux citer des Grégoire Margoton, des Gilardi ou autres, qui sont de vrais, grands, très bons journalistes. C'est-à-dire qu'ils ont été formés comme des journalistes et qu'ils sont d'abord des très bons journalistes qui, accessoirement, sont passionnés de sport et qui donc vont faire des matchs de sport. Mais dans les faits, ils sont d'abord des bons journalistes. Moi, je suis peut-être d'une race un petit peu différente. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai pas été formé au journalisme. Et je suis venu au journalisme par passion pour le sport et passion pour le jeu. Ce qui m'a toujours animé et passionné, c'est le jeu. Et le jeu de foot en particulier, enfin, il y a d'autres sports que j'adore aussi, mais d'abord, bien sûr, le foot. C'est ce qui m'a toujours passionné. Donc évidemment,
voilà, très naturellement, je me suis peut-être exprimé journalistiquement un petit peu différemment d'autres journalistes, parce que voilà, ce qui me passionnait, c'est le jeu, donc c'est pas, tout ça n'est pas un hasard si Charles Bietri, dans les premières années, m'a mis directement comme consultant, dans le rôle du consultant, qui n'existait pas trop à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était deux journalistes qui commentaient à l'époque les matchs, mais il me mettait dans le rôle qui est du deuxième journaliste, si vous voulez, de celui qui analyse, du consultant. Et puis c'est pas un hasard non plus que j'ai développé plus tard des outils dont on a parlé tout à l'heure, comme la palette, qui sont ou les statistiques, qui sont des outils d'aide à l'analyse du jeu, quoi, du foot. Donc voilà, bon, c'est mon moteur. Mon moteur, c'est ça, c'est le jeu. Voilà, c'est ce qui me passionne, c'est le jeu, c'est tout. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Philippe, de nous avoir accordé toutes ces belles minutes. Nous, on pourrait rester avec vous toute la soirée, mais bon, il va falloir se préparer pour la Danone de demain. Bon, ça va. Ça dure aussi dimanche, non? Oui, bien ouais. Sûr, parce que demain, c'est la qualification. Ouais, et dimanche, c'est les petites phases finales. La qualification, et c'est la finale France dimanche. Donc, on a deux longues journées à passer au Hayan. Bon, ce qui est toujours un plaisir. Moi, j'adore ce lieu, j'adore ce club. J'ai toujours aimé ce club. Je suis pas bordelais. Hein. Je ne suis pas supporter des Girondins de Bordeaux au sens fan ou autre, mais j'ai toujours aimé ce club. Je trouve qu'il a une belle identité que lui reprochent d'ailleurs souvent les Bordelais, paradoxalement. Enfin, pas les Bordelais, mais les gens vus de l'extérieur qui trouvent que ce club n'est pas assez ambitieux, n'est pas ceci, n'est pas cela. Oui, mais moi, je trouve que au contraire, en quelque sorte, oui, c'est un peu vrai. Il n'est pas super ambitieux, qu'il n'est pas... Mais d'abord, tout le monde ne peut pas être champion de France. Hein. Chaque année, il y en a 19 qui ne le sont pas, hein, champion. Hein. Ça n'a rien de rare. C'est chaque année, c'est que ça se passe comme ça. Et que c'est pas la peine d'insister sur le fait que 19 clubs sont nuls. Non, il n'y a pas 19 nuls. Il y a simplement un qui est un peu plus fort et puis d'autres qui ont d'autres moyens. Et je trouve que les Girondins, ça, je trouve que c'est un club qui m'a toujours plu pour ce côté un peu à la fois un peu familial, un peu identité, et en même temps c'est un très bon club avec de très bonnes structures et que j'ai toujours trouvé assez sympa et très agréable. Donc je serai très heureux de retrouver le Hayan demain. En tout cas, merci beaucoup. Donc pour tous ceux qui veulent aller au Hayan, donc c'est samedi et dimanche. Ouais. Pour moi, je l'appelle la petite Coupe du Monde en fait. Donc c'est la Coupe du Monde des jeunes. Donc allez-y, il va y avoir du beau football, très bonne ambiance aussi. Donc j'y ai participé, donc je sais de quoi je parle. Et pour ma part, je passerai dimanche. Donc je passerai vous faire un petit coucou dimanche. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Nickel. Et présentez-vous cette fois. Hein, Oui. Si y a personne autour de vous, sinon je pousserai tout le monde cette année. Non mais il y aura du monde forcément, donc il faut oser. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Doucet. Ça marche, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Eh bien, très bien. Vraiment très sympa ce film Doucet encore. La même voix qu'à la télé. Hein. Ah ouais, des frissons. C'est marquant. Hein, je l'avais dit à Jean Aurel, j'ai dit, je viens d'avoir Philippe Doucet au téléphone. C'est toujours pareil quand t'entends une voix que t'as l'habitude, presque une voix familière. C'est ça. Là, tout d'un coup, et tu lui poses des questions, c'est à toi. Pour nous qui sommes pas journalistes. J'ai un pote qui est aujourd'hui avocat à Paris. On a parlé en long, en large, en travers de ses palettes. C'est quand on joue à PES et on a tout joué à PES avant de jouer à FIFA. On joue toujours à PES parce que FIFA c'est nul. Voilà. Merci pour le faux, je te laisse faire après. C'était les statistiques, les machins, et forcément le nom de Doucet revenait. Tout le temps. Et là d'entendre sa voix là au premier abord de volée, c'était assez extraordinaire. En tout cas, il a tendu quelques perches au foot féminin. J'allais y venir, je regardais Monsieur Fort, j'allais lui dire là, vu qu'il est investi quand même dans le foot, pas forcément professionnel, la Danone Nation Cup, les petits clubs. Tu peux avoir un petit club, les clubs entre guillemets pro, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Il y aurait peut-être un créneau, on pourrait l'inviter à un match de Soyo. Surtout qu'en plus. Pour l'inviter, faire une mini palette, le petit guest de Soyo.
c'est contre un gros match Lyon Paris, un coup d'envoi ou quelque chose comme ça, ça pourrait être ça, sympa, ça pourrait lui plaire en plus. Et puis en plus la D1 ouais. féminine, je vois il y a les best of qui sont mis sur YouTube, donc ouais. ils sont en accès libre et ouais. c'est officiel, donc ça pourrait être aussi un pied de nez pour lui de peut-être faire sa palette sur YouTube comme il souhaite la faire et évoluer. Et puis une palette en D1 féminine, ce ouais. serait le premier aussi. Ouais, c'est vrai. À jamais le premier en D1 masculine, ouais. pourquoi pas le premier en D1 féminine. Ouais, pourquoi je pas. Trouve l'idée sympa et ouais. puis ça mettrait aussi un bon coup de projecteur sur l'AD1 féminine et clairement, qui ouais, en a besoin également. Ouais. Et soyons en a besoin aussi. C'est une super idée, mais les télévisions ne veulent pas venir filmer à Soyaux parce qu'il n'y a pas assez d'espace entre rembarder le stade, voilà, ça ne correspond pas à leurs normes pour leur matériel et tout. Donc voilà, c'est aussi un handicap pour nous. Donc si on veut être filmé dans un match à domicile, il faut qu'on joue sur le stade d'Angoulême. Et même ce stade-là, qui est un stade où l'équipe joue dans CFA 2, doit être rétréci en largeur pour pouvoir passer leur matériel et tout. Alors d'ailleurs on va revenir sur votre club puisque après on fera la pause. On fera une petite pause après, ouais. Une ou deux oui, questions. Oui, vas-y, je t'en prie. Quels sont les axes d'évolution pour vous pour la saison prochaine dans les cas que vous nous présentez où c'est difficile de vous filmer, où le recrutement est compliqué, quels sont vos axes forts? Enfin, le recrutement, il est compliqué. Oui, enfin, on ne prend pas les meilleures joueuses de France, hein, c'est clair. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même une excellente formation. Et du coup, il y a un panel de joueuses qui ont des très, très grosses qualités, qui demandent qu'à exploser. Et du coup, nos clubs permettent ces explosions. Donc, en fait... On n'a peut-être pas forcément le rôle de jouer les premiers, sauf qu'on peut permettre à des jeunes joueuses qui ont des ambitions de leur donner du temps de jeu, de leur donner des éducateurs également qui sont compétents, donc du coup de leur donner les moyens d'intégrer des gros clubs. Et puis, on a toujours un petit peu d'ambition, nous. Hein. On est toujours, on compte quand même se classer dans les cinq premières équipes, quoi. Donc derrière l'OL, PSG, Montpellier, peut-être Marseille, mais voilà, je m'arrêterai là. Faut voir. Ouais. Et faut voir. À défaut d'être professionnel, on vise à être semi-professionnel. Quoi. Ouais. Ce qui est déjà pas facile, mais voilà, déjà l'année prochaine, on va commencer avec des entraînements dans la journée. Hein. Ça va être la première saison, parce qu'il va y avoir des joueuses dont la plupart sont sous contrat aidés, parce que voilà, on ne peut pas avoir trop de contrats fédéraux. Et un entraîneur qui est à plein temps, donc il y aura des séances qui sont faites dans la journée, ce qui est déjà un plus. Et tout à l'heure, je reviens tout à l'heure, on a parlé, vous m'avez posé la question sur au niveau qualité, comment avait évolué le foot féminin, mais on n'a pas répondu, mais c'est évident que le jeu s'est amélioré de façon phénoménale. Mais lorsqu'on passe d'un entraînement de 19h à 22h deux fois par semaine, à un entraînement deux fois par jour, si on compte les séances de musculation, les séances vidéo et tout, c'est évident que les progrès sont énormes, quoi. Hein, et c'est ça, dans les trois clubs professionnels, on considère qu'ils sont Lyon, PSG, Montpellier, où ils s'entraînent dans la journée, ça fait une différence énorme. Nous, on s'entraîne encore le soir, hein, les Girondins ne s'entraînent encore le soir. Voilà quoi, donc. Et moi j'ajouterais quand même que Soyaux est peut-être un club amateur, mais Soyaux vit de sa propre économie. Ce que peuvent pas dire les clubs professionnels. Les joueuses qui jouent dans des clubs professionnels vivent de l'économie des professionnels, des hommes. Or nous à Soyaux, on ne vit que de notre propre économie. Donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on résiste. C'est parce qu'on a un petit peu d'argent, on investit bien. Et on n'est pas, on n'est pas tenu par, on va vous accorder ceci, oui, non. Nous, on gère notre propre club. Donc nous, certes, on n'a pas beaucoup d'argent,
Mais en tout cas, ce qu'on a, c'est nous qui le gagnons, les filles. Voilà. On a personne dans le club, on n'a aucun dirigeant qui peut sortir son carnet de chèques et puis dire, bah, y a un trou, 10 000, 20 000 euros, attendez, je vais vous faire un gage. Nous, ça n'existe pas, même et beaucoup puis... moins. Et puisqu'on est sur le sujet, si on remonte tout à fait au début du foot féminin, les années 1967-1968, c'était à l'origine un mouvement féministe. Les filles qui venaient jouer au foot, alors on les appelait beaucoup les garçons manqués à l'époque. Ouais, mais c'était un mouvement qui était féminin, je me souviens, moi. Tafia Dubé, elle nous disait, mais on veut des entraînements parce qu'il y a des matchs amicaux, il y a du monde qui vient voir, mais c'est pour se foutre de nous parce qu'on shoot à côté du ballon, voilà. Et nous, on veut travailler, on veut des entraînements. Et c'est comme ça que ça a bien démarré le foot féminin. Et si on voit 50 ans plus tard, aujourd'hui, forcément que tout le monde est émerveillé par le foot féminin, par l'argent qu'il y a autour et tout. Mais moi, je suis assez triste. Je suis assez triste, non pas pour le foot féminin et pour les footballeuses qui ont tout, mais je suis assez triste pour la femme. Parce que si c'est une belle victoire pour la footballeuse, je pense que c'est un échec pour la femme qui, 50 ans plus tard, se retrouve encore assistée par l'argent des hommes. Oui, il y a moins ça, ce côté identitaire, libertaire autour du sport. C'est un petit peu dommage. Dans d'autres sports, lorsqu'une équipe, je sais pas, je prends Bourges en basket, Brest, l'équipe féminine qui est la meilleure de France, elle n'a pas forcément un club garçon qui est aussi le meilleur de France. Elles sont autonomes, elles vivent de leur économie avec des subventions. Ouais. Dans le foot, et c'est le choix de la fédération, et je reconnais que ça se fait même dans les autres pays, et ça permet au football féminin de se développer plus vite, mais je trouve que c'est dommage. Il faut absolument, on veut imposer une section féminine à un club pro, parce qu'il y a des moyens. Moi, personnellement, je trouve que pour la femme, c'est dommage, quoi. C'est pas... Mais écoutez, le message est passé. Et puis, oui, vous voulez rajouter. Oui, je voulais juste dire à Soyou aussi, nous, on verrait plus le football féminin dans un double projet, quoi. Les étudiantes avec une possibilité de s'entraîner. Parce que la problématique des entraînements, c'est surtout parce qu'on fait ça le soir, on est fatigué, on sort du boulot, c'est quand même... À ce niveau-là, c'est fatigant. Donc l'idée, c'est pouvoir quand même de s'entraîner au moins dans la journée. Eh bien, le double projet pourrait permettre à des entreprises d'embaucher des joueuses, mais de leur laisser les moyens de s'entraîner à mi-temps. Voilà. Ouais. Et ça, je pense que c'est aussi possible, dans l'ordre du possible. Et là, la progression, c'est peut-être moins net, c'est clair. Hein, mais en tout cas, on aurait de la progression parce qu'il y aurait de la récupération. Le message est passé. Et puis, on appelle aussi à des entrepreneurs qui nous écoutent. On a des entreprises qui sont passionnées de foot et qui n'ont peut-être pas forcément les moyens d'aller mettre un billet forcément aux Girondins. Mmh. Donc, à des belles PME girondines. Allez vous implanter à Soyeux avec ce joli projet et ces beaux axes d'évolution. On vous remercie, monsieur et madame Ford, d'avoir fait le déplacement et de nous avoir expliqué le fonctionnement de votre club. On vous remercie beaucoup. C'est surtout aussi qu'on a compris depuis le début de l'émission que le football féminin est commencé à devenir vraiment une très belle vitrine et ça serait une belle occasion, en tout cas pour une entreprise locale ou même nationale, de faire un petit peu de pub et de promouvoir aussi ce football féminin, d'aider un club indépendant finalement, vous en parliez. Donc voilà, ça serait une très belle affaire à faire. Voilà. Oui, et puis l'identité des femmes, on en a parlé. Bien sûr. Il y a quelque chose à faire. C'est très important. Donc voilà, messieurs, dames, nous allons marquer une petite pause de 5 minutes pour aller manger les cannelés de Bernie. voilà. Donc on se retrouve dans 5 minutes pour retrouver notre deuxième invité, notre même troisième invité de la soirée. Toujours sur le même thème, le football féminin. On fera un petit jeu aussi, question sur pour un champion DLM. Ouais, y en a deux qui sont chauds là, à ma gauche et à ma droite. Bernie, je vais te faire la peau. Sur le foot féminin aussi, que je vous ai concocté. Donc voilà, je vous dis à dans 5 minutes, on se retrouve pour reparler de foot féminin. Allez.